Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien déjà, bonjour, bienvenue en 2020. D'ailleurs c'est ma première vidéo de 2020, je me suis dit qu'il fallait qu'encore une fois je fasse des bêtises. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va faire un prank. Vous m'avez donné des idées de prank, j'ai noté toutes ces idées et j'ai mis plein de prénoms. Enfin à vrai dire j'ai pas fait ça tout seul, j'ai fait ça avec une pote. Et on a mis plein de prénoms et dans ces prénoms là, oh là, dans ces prénoms, oh. Et on a mélangé les prénoms et les gages. Oh, je dis n'importe quoi. Et donc du coup je vais appeler ces personnes et vous allez comprendre. Vous savez ce que c'est un prank quand même. Enfin, c'est un prank Pourquoi j'arrive plus à parler. Donc du coup je vais piéger des gens et ça va être marrant. Donc voilà les amis, on commence dès maintenant. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris une petite pochette. Bon c'est une pochette KidsIT, même si ça n'a aucun sens. Enfin bref. Dedans il y a plein de prénoms et comme je vous l'avais dit il y a tous les cages. Je mélange un peu, je mélange. Et je vais tirer le premier prank que je vais devoir faire. Oh, faire croire à Nélusie que j'arrête les réseaux sociaux. Écoutez les amis, ça commence bien. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange. Messagerie. On tombe sur la messagerie de Nibouli. Coucou. Ah, elle m'envoie un message. Je suis en déplacement. Dis-moi. Écoutez, les amis, je vais la pranker, mais pas en appel. Du coup, je vais devoir la pranker par message. Donc, je lui marque un message. J'ai décidé d'arrêter. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Mais elle va me prendre pour un fou. Ah bon, pourquoi ça? Qu'elle me dit, oh, elle est trop mignonne. Parce que je trouve que ça me pollue de continuer. Ah, je déteste ça. Elle doit se dire, il est débile. D'où je suis débile. Ça te pollue en quoi? Essaie de mettre des mots sur tes sentiments. Ah, elle est trop mignonne. Ah, aidez-moi. Assez négatif. Oh là 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 là, l'énergie est assez négative et que... Ah, elle écrit, mon Dieu. Oh, quelle horreur. Des musiques qui me marquent. Pourquoi l'énergie est négative? T'as vu des choses ou lu des choses négatives sur toi par exemple? Oh, elle est... Non, elle est trop mignonne. Non, j'arrête là, elle est trop mignonne. Donc je vais voir, Nélusie, t'es trop chou. C'était un prank pour ma chef. Mais vas-y, toi, quel petit. Je te parle plus, non. Qu'est-ce qu'on en retire? On en retire que Nélusie est une vraie amie, est une vraie personne. Elle m'a marqué, haha, ça va encore, t'aurais pu continuer. J'allais sortir mes secondes compétences de psy. Bon bah bisous à tous les gens qui regardent. By the way, Trianon le 20 mars, Dylan y sera. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième? Faire croire à Nathan que je lui offre un voyage à Los Angeles. Pas mal. Ah. Allô? Ça va, je te dérange pas trop? Non, ça va, t'inquiète. Ok, c'était pour te dire un truc. Bon, c'est un peu bizarre, genre, mais je voulais juste t'appeler pour te dire ça. C'était juste pour savoir. Tu vois, en gros, cet été, je vais aller à Los Angeles. Ouais. Et en fait, mes parents, en faisant la commande, ils ont pris une place en plus. Et donc, du coup, ils m'ont demandé. Ils ont dit, bah, on a qu'à emmener Nathan s'il le veut. Est-ce que ça te dirait déjà? Quand? Pendant les vacances d'été. Bah, ouais, chez les parents du matin. Ok, bon, bah, écoute, c'est cool. Non, ben non. Si. Non. Si. Bien sûr que si. Non. Non, mais voilà. Non, plus honnêtement, Nathan. Non, je suis pas au culé, je suis sur ma chaîne YouTube parce que je suis un gros copieur. Ouais, bah ouais, désolé, ça sera pour une prochaine fois à Los Angeles. Tu veux dire quelque chose à ma communauté YouTube? Plagiat. Oh, plagiat culé. C'est quoi, en échange? Bah, tu nous inviteras vraiment, tout le monde. Non. Allez, en échange, je vous invite tous à Los Angeles. Lou. Faire croire à Lou que je sais que je... Faire croire à Lou que je suis déçue d'elle. Oh mais non. Mais pourquoi il n'y a que du négatif? Messagerie Orange. Lou, aurais-tu changé de numéro de téléphone sans m'avoir prévenu? Messagerie Orange. Mon Dieu, c'est une blague. Mais c'est un échec. Mais c'est un échec. Attendez, mais non. 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 Mais non. Bah du coup je peux pas appeler Lou. C'est nul. On passe au prochain mais là je suis très énervée. Alors maintenant je vais être très méchant. Mais les gars, je commence à croire que je suis un peu nul à ce jeu là. Vous trouvez pas? Mettez en commentaire. J'aimerais bien qu'on me dise les choses en face.
hein. Tirons le prochain papier. Bah, du coup, je l'ai tiré. Faire croire à Tissam, donc Betty Sam, que j'arrête la musique. En gros, Tissam, c'est une chanteuse. Elle a fait la finale de The Voice Kids à la même saison que moi. C'est une personne avec qui j'ai gardé beaucoup de liens. Allô, Tissam? Oui. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bah du coup, c'était pour prendre des nouvelles et tout. Ah, bah écoute, est-ce que je peux prendre ce temps, s'il te plaît? Attends, ça prend deux secondes. Juste, je voulais juste te dire un petit truc. Genre, c'était juste parce que j'avais envie de me confier à toi, mais je voulais te dire, genre, que j'avais envie d'arrêter la musique et tout. Pourquoi? Je me sens plus de continuer et tout, et j'avais envie d'arrêter, et je sais pas, je voulais te le dire à toi. Ah, t'es sérieux ou pas? Bah ouais. Non, tu me fais une blague en vrai ou pas? Non, je te fais pas une blague, je te promets, je pensais pas. J'ai envie d'arrêter parce que ça me, je sais pas, ça me correspond pas en fait. Bah en fait ça, c'est du réfléchir, faut que je reparte un peu enfin sur des bonnes sources et ça ça me pollue genre. Ouais, je suis choquée en fait, je sais même pas quoi dire. Est-ce que tu... Attends Tissam, c'était un prank. T'es vraiment fou, malade. J'étais en train de me dire mais comment? C'est pour ça que je pouvais pas te dire ouais on se rappelle ce soir parce que là je suis en train de filmer. Non, j'arrête pas la musique, je continue et j'ai plein de trucs à faire encore. T'as de la chance, j'espère bien. Elle est trop mignonne. Ah mais en fait ils sont trop choux, ils sont trop mignons avec moi. Oh, alors là c'est un peu particulier parce que c'est pas quelqu'un que vous connaissez, mais moi c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc faire croire à Alice qui est l'une de mes amies au lycée, que je pense qu'elle m'a volé quelque chose. Oh là 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 là. Allô. Allô Alice. Oui c'est moi. Ça va? Ça va et toi? Ouais ça va. Bah c'est juste pour te dire un truc, genre tu sais, genre au lycée j'avais mon carnet tu vois. Ouais. Et en fait je sais pas, j'ai l'impression de te l'avoir donné et j'ai l'impression que tu me l'as pris en fait. Non ça m'étonnerait. T'es sûr? Parce que ouais, je suis sûr, je le sens. Au pire tu veux je regarderai quand je rentrerai chez moi. Genre, demain. Ouais, mais c'est pas possible, vous êtes trop gentille. Bah, Alice, je suis désolée, mais c'est un prank. Mais t'es vraiment trop nul. C'est pour ma chaîne YouTube. Mais c'est nul. Mais oui, mais oui, mais c'est nul, mais parce que je devais te faire croire que tu m'avais volé quelque chose, mais j'arrivais pas. Genre, comment tu le dis ça, genre? Mais c'est facile. Mais non, c'est horrible. Tu veux dire un truc à ma chaîne YouTube? Non. Oh. Et bah écoute, tout ça est enregistré. Ah bah tant pis. Oh mais non! Non, c'est nul! Elle a raison, c'est nul! Vous savez quoi les amis? Ok. Pour ceux qui sont pas encore partis, parce que j'ai pas envie que vous soyez partis, parce que si vous êtes partis, c'est pas gentil. Mais en tout cas, là, ce qui va se passer par la suite, ça va être hard, parce que je vais vraiment devenir méchant. Là, elle a raison, ma pote Alice. Elle m'a raisonné. Il faut que je sois plus impactant dans ce que je fais. Voilà, prochain papier. Faire croire à Lilou, donc Lilou qui a fait The Voice Kids avec moi, que tu lui proposes de faire partie d'une comédie musicale avec Beyoncé. Oh non, mais en plus, elle est fan de Beyoncé. Allô? Allô? Ça va? Ouais. Pourquoi tu m'as appelé, Marion? Attends, c'est qui que j'ai à l'appareil? Mais ouais, mais non, mais en gros, je t'explique Calvin. J'étais censé appeler Lilou. Ah non, non, et bah ben non, c'est Calvin à l'appareil. Mais attends, mais pourquoi j'étais appelé Lilou dans mon téléphone? Bon, cette fois, on appelle la vraie Lilou. Allô? Ça va? Ça va? Ouais, du coup, je t'appelle pour un truc un peu précis. Ça fait un moment qu'en fait j'ai contact avec un producteur du coup qui travaille sur Broadway. Et en gros, il recherchait des enfants et tout qui pourraient jouer des rôles. En fait, le but, c'est une comédie musicale qui parle en fait un peu de la vie de Beyoncé. Et c'est réalisé par Beyoncé. Ça peut paraître un peu ouf, mais même moi j'étais un peu choquée. Donc du coup, moi j'ai eu un rôle. Et en fait, il cherchait quelqu'un pour jouer le rôle de Beyoncé. Et du coup, j'ai pensé à toi. Oula. Donc du coup, est-ce que ça te ferait plaisir? Choquée là, tellement bien. Ouais, moi je suis dedans. Ouais, donc bien, mais moi j'entends pas du tout à Beyoncé. Bah ouais, mais le but c'est ils transformeront, genre ils vont essayer de te transformer avec le maquillage. Ce qui est le plus ouf, c'est que du coup Beyoncé elle sera aux répétitions pour nous entraîner et tout. Elle sera là. Ouais. Mais moi j'étais choquée. Attends, choquée là. Tellement bien. C'est dingue, hein. Merci, Lilou, je me sens hyper mal. Je suis vraiment désolée, mais tout ça n'était qu'un prank. Ah non. Je suis vraiment désolée parce que je sais qu'il faut pas jouer avec ça parce que bah, moi je suis fan de Beyoncé, j'aurais détesté qu'on fasse ça. Ouais, du coup, je voulais juste te dire bravo pour tout ce que tu fais sur tes réseaux sociaux. T'es vraiment super forte, tu fais des chansons de dingue, t'as une voix de dingue. Merci. Et du coup, bah, les amis, si vous voulez vous abonner à Lilou, c'est @lilou_musique. Faire croire à Carla que je suis en crush sur elle. Oh, mon dieu. Allô? Allô Carla, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah je voulais t'appeler pour te dire un truc parce que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment. Bah dis-moi. En gros, bah c'est un peu bizarre, genre c'est même carrément bizarre. Tu veux me dire quoi? Bah en fait, je pense que je suis en crush sur toi. Mais... Je te connais par cœur là, je sens que tu me fais un prank. Non, honnêtement, je te fais pas un prank, je sais pas, j'avais envie de te le dire. T'es avec qui? Je suis seule, wesh. Non,
Je te promets que non. Mais non, je te promets que non. Ouais, mais non, franchement, je suis déçue que tu comprennes pas et tout parce que voilà quoi. Mais non, mais c'est un prank, je suis sûre. Mais non, mais pourquoi tu penses que c'est un prank? Mais parce que j'en suis sûre, tu vas pas me faire une blague. Bah non, bah du coup, ça te dit? Mais tu me fais un prank. Non, c'est une vraie question. Je suis mort de rire. Non, je suis pas mort de rire, je suis émue, j'ai envie de pleurer en fait. C'est gentil. C'est pour ma chaîne YouTube, Carla. Faire croire à Gloria que mon compte a été piraté, c'est parfait. C'est démoniaque et j'adore ça. Faut que je sois paniquée un peu. Allô, Glo, ça va? Bah oui, et toi? Bah moi ça va pas en fait, là je suis grave paniquée. Dis-moi. En gros, je t'explique. Je suis allée sur mon compte Instagram et tout. Et depuis tout à l'heure en fait, ça arrête pas de bugger. Ça me déconnecte et genre ça me montre qu'il y a un autre utilisateur sur mon Instagram. Donc en fait, je viens de me faire pirater là. Non. Je suis en panique, je suis dégoûtée. Et en fait, c'est en train de me saouler parce que... Pour l'instant, je te l'ai dit qu'à toi parce que je sais que toi t'as déjà eu des problèmes et là ça me fait trop peur. Parce que genre la personne elle m'a envoyé des mails sur mon truc en me disant que si je veux récupérer mon Instagram, et bah va falloir que je fasse des trucs en échange. Non, c'est pas ça, ça doit être une arnaque. Mais là j'ai plus accès à mon compte Instagram. Genre il a dit qu'il allait balancer mes photos et tout que j'ai enregistré sur mon truc. Attends, supprimer le compte totalement, ce monsieur. Non, il faut pas supprimer le compte. Mais il va prendre des données, il va prendre des données. Je vais demander à Vincent déjà ce qu'il faut faire. Déjà, il faudrait que tu bloques quelque chose. Est-ce que tu peux bloquer ton compte Instagram? Le bloquer, bah en fait, j'ai vraiment, mais vraiment plus accès. Genre, en gros, je clique dessus, ça me met mon compte 2-3 secondes et après, ça se déconnecte. Le meilleur pote de mon père, il est informaticien, il peut hacker n'importe quoi, tu vois, sûrement. Je vais déjà demander à Vincent. Ouais. Et sinon, Dylan, c'est juste à mon père, si tu veux. Attends, je vais lui en parler aujourd'hui. Je suis grave paniquée. Ne panique pas. Déjà, si tu essayes de te reconnecter une dernière fois. Ok. Et puis, si tu essayes de te reconnecter une dernière fois, tu essayes de supprimer toutes tes données. Mais imagine, Glo, j'aurais plus de compte Instagram. C'est chaud à mort. En fait, t'as raison parce que sinon il va hacker tous mes trucs, il va poster tous les trucs, il va tout. Enfin, là, ça me saoule en fait. Panique pas, Dylan, on va trouver une solution. C'est parfait pour commencer la nouvelle année. Je vais trouver pour toi et puis on va trouver quelque chose parce que je sais très bien ce que ça fait. J'ai déjà perdu mes comptes Instagram, ça, je suis contente. Je te préviens dès que possible. Déjà, essaye de faire un compte Instagram de secours, essaye de prévenir les gens au cas où. Juste un truc, Gloria et Juliette. Oui. Est-ce que vous penserez pas que, genre, je devrais peut-être faire un prank sur ma chaîne YouTube où je vous prank en faisant croire que je me suis fait pirater? Non. Ah putain, mais je te jure, franchement, je me suis vraiment mis dans la peau du personnage. Mais t'as géré? Vous êtes trop mignonne et tout, oh putain, on m'a trouvé des solutions et tout. Ah, je vais taper, on a commencé à s'inquiéter comme des folles. Vous êtes trop gentil. Je vous aime fort et puis évitez de pirater Dylan. Vous voyez la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, faut vous abonner parce qu'il gère, il a eu les 100k. Tu peux partir, papa. Et je vous fais plein de gros bisous et Dylan, c'est le meilleur et on l'aime. Oh, t'es trop chou. Faire croire à Eléa qui est une chanteuse qui a fait aussi The Voice Kids avec moi, que j'arrête YouTube et que je souhaite lui offrir ma chaîne. Allô? Allô? C'était juste pour te dire un petit truc, bon voilà, c'est un peu bizarre. Déjà pour commencer, je vais arrêter YouTube. Et en fait, je réfléchissais, je trouvais ça bête, tu vois, de gaspiller 100 000 abonnés comme ça. Et je me suis dit que ça serait cool de l'offrir à Kenton. Est-ce que ça te dirait de prendre ma chaîne YouTube? Attends. T'auras le droit de l'appeler Eléa et tout, enfin tu prends tout, mais c'est juste qu'en fait, quand j'en ai marre... Ouais, après ça, déjà, parce que du coup, j'ai changé de communauté et tout, mais... Tu diras à ta communauté d'aller sur ma chaîne. Sur ta chaîne du coup. Bah déjà merci. Bah de rien. Je suis choquée, bah merci beaucoup déjà. Bah merci, c'est trop bien, je suis trop contente là. J'ai trop. Après faut que tu me vois et tout avec mes vidéos pour les remettre. Je sais pas si du coup après ça te emmerde les jeunes, je les vois plus vite. Eléa, je suis choquée. Ouais. C'est horrible. Ah, je suis vraiment désolée. C'est vraiment horrible. Je suis vraiment désolée. T'es trop en amour. Hein. T'es trop mignonne et tout. Mais c'était un prank. Oh putain. Je suis trop désolée, mais t'es trop mignonne. T'es trop adorable. Mais attends, mais pourquoi il a l'air YouTube? Il commence à avoir plein de vidéos et tout. Je suis choquée. Franchement, là, je m'adresse à ma communauté. Tu mériterais vraiment les 100 000 abonnés. Donc, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la barre de description. Et allez vous abonner et faites-lui les 100 000 abonnés. Ah, c'est vraiment horrible. Je suis vraiment désolée.
Elle est trop chou. Oh mais c'est pas possible d'être aussi gentil que ça. Oh non, je me sens mal hein. Faire croire à Valentina, ça va être marrant ça, que je vais rencontrer son idole, en sachant que Valentina, son idole, c'est Ariana Grande. On va voir déjà si elle va répondre. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... What the... Elle répond pas, non. Faire un lyrics prank à Alban. Oh, un lyrics prank, c'est quand tu prends des paroles de chansons et que tu dis ces paroles à la personne. Du coup, je pense que la meilleure chanson pour faire un lyrics prank, ça serait Love You, To Love Me, ça peut être drôle. Allô? Tu m'as promis le monde et je t'ai cru. Comment? Je t'ai mis en premier et t'as adoré ça. Mais tu sais que t'as mis le feu à ma forêt. Et tu l'as laissé brûler. Mais tu chantais faux dans mon refrain. Moi? Parce que c'était pas le tien. Mais de toute manière, oui. Hé, Alban, j'ai vu les signes et je les ai ignorés. Non mais c'est un prank. Des lunettes teintées en rose tout déformé. De toute manière, t'as mis le feu à mes objectifs. Et je les ai laissés brûler. Ça va? Bah, la douleur t'excitait. Cette danse me tuait lentement. J'avais besoin de te détester pour m'aimer. Désolée, c'est un prank. Mais non, mais c'est sûr, ça se T'as dû rien comprendre parce qu'en fait, j'ai pris les paroles de la chanson Le Zut, To Love Me. C'est pour. Je comprenais rien, tu m'as bien pranké vu que je comprenais rien vraiment. Faire croire à Seb, donc Sébastien, de Avec ta star, que je veux qu'il supprime toutes les vidéos où j'apparais. Donc toutes les vidéos. Toutes ces vidéos de moi où j'ai... Oh là là. Allô. Allô Seb. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Je voulais te parler d'un petit truc. Vas-y, je t'écoute. J'ai pas envie que tu le prennes mal. Ça te dérangerait pas de supprimer toutes les vidéos ou les miennes? Pourquoi? Parce que voilà. Pourquoi t'es pas quoi dans des vidéos? Bah c'est pas quelque chose que j'aime pas, c'est juste que voilà. C'est dommage, les gens ils aiment bien. Oh ouais. Oh, tu rigoles, j'en suis sûr. Je suis désolée, Seb. Petit gamin, va-t'en. Je suis désolée, mais non, j'adore les vidéos qu'on a tournées ensemble. Mon cœur, il s'est arrêté, j'ai fait... Oh non. Eh ben, écoute, je vais faire gros bisous à ta communauté. C'est une communauté que j'adore. Dylan, tu sais que je t'adore. Je te soutiendrai tout le temps. Moi aussi, je t'adore. Vive Dylan, vive ta chaîne YouTube et vive Avec ta star. Iliana. Faire croire à Iliana que je veux devenir TikToker. Mon Dieu. Allô, ça va? Bah déjà, bonne vous année. Et toi? Oui. Bonne année. Du coup, c'était pour ta vue parce que je voulais te dire un truc. Dis-moi. Bah, je pense que genre, je vais... Je sais pas comment dire. Je vais me lancer sur TikTok, je pense. Mais attends, tu fais pas un prank, hein? Non, non, mais en fait, je voulais dire ça à toi parce que toi, t'aimes bien TikTok, tu vois. Non, je suis sûre que tu me fais un prank. Tu m'as pas comme ça pour me dire ça. Bah, si. Je te connais assez quand même. Je bah, connais, si. Ça va. Et tu penses que je peux devenir une star de TikTok? Tu fais un prank Dylan, vas-y. Mais je te jure que non, parce que... Mais arrête de mentir à une star de TikTok. Bah, je pense que j'ai l'étoffe et le charisme de devenir une star de TikTok. En plus, je danse si bien. Oh là, je suis morte. Bah vas-y, bah fais une danse, tu m'envoies, je te dis. C'était un prank, effectivement. Bah oui, bah bien sûr, MDR. Bah gros bisous tout le monde, love you. Ils te font des bisous même s'ils peuvent pas te répondre. Prochain gage. Oh, faut que j'arrête de dire gage. Prochain prank. Anaël. Et je dois lui faire croire que j'ai rasé mes sourcils. Oui, mon chat. Allô, Anaël, ça va? Ça va et toi? Pas trop. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis vraiment, mais vraiment dégoûtée. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train d'épiler mes sourcils. C'est un peu con, mais je savais pas à qui raconter ça. J'avais un espèce de rasoir pour les sourcils. Et en fait, je suis dégoûtée. J'ai rasé tout mon sourcil. Mais comment t'as fait, Dylan? Bah, je sais pas. En fait, j'étais en train de raser le contour. Et un geste de trop. Et en fait, j'ai rasé tout. Oh, puis dégoûtée. En fait, j'ai plus de sourcils. Mon sourcil droit, il y en a plus. Il va falloir que tu mettes du crayon noir. Non, bah, ouais. En vrai, ça va repousser vite. Là, t'as pas de... T'es sûr? Mais oui, ça repousse vite. T'as pas de promo, de tournage et tout avant d'ici 15 jours. Ouais. Mais là, dans 15 jours, ce sera bon. Limite, tu sais, ta gavroche. Ouais. Casquette, la gavroche. Faudrait que tu mettes ça aussi, comme ça attire moins l'œil. Ouais. Parce que même si tu mets du crayon, les gens vont dire, il y a un truc qui va pas chez lui. Tu m'aurais dit avec de la cire. La cire, c'est connu pour vous durer plus longtemps. Tu vois, les ouais. Gens. Ouais. Anaël, t'es trop en amour. C'était un prank. Mais non. Pourquoi tu me fais ça? Donne pas un conseil. Mais oui, t'es trop... avec toi. Mais t'es trop chou. Après, je serais passé à la phase, je t'engueule, pourquoi t'as fait ça avec un rasoir? Ah mais oh non, j'aurais dû laisser. Bah oui, parce que je réconforte, et une fois que t'es réconforté, moi je t'engueule. Oui. Mais pourquoi t'as fait ça avec un rasoir? Tu sais, c'est bizarre, deux appels, je dis, qu'est-ce qu'il veut à cette heure-ci? Je suis pas devant mon ordi, j'ai pas de planning à lui donner et tout. Mais oh non, j'aurais pas dû répondre. J'aurais pas dû répondre. On va continuer à suivre mon petit Dylan. Et prochaine étape, 150. Ouais. K.
Les amis, c'est enfin la fin de cette vidéo et je pense avoir été nulle. Non, je pense que ça va, j'étais pas si nulle que ça, mais c'était pas extraordinaire. Mettez en commentaire quel prank j'ai le mieux réussi et lequel j'ai le plus échoué. Plein de gros bisous à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo et qui ont été prankées parce que vous avez été trop mignons. Et tous ensemble, on est des super youtubeurs. Et à très vite mes puces.